Ces derniers jours, les réseaux sociaux ont été émerveillés en apprenant que de magnifiques aurores boréales ont été aperçues à différents endroits en France et même partout sur Terre. Beaucoup ont pu partager leurs meilleurs clichés et d'autres ont regretté de ne pas avoir pu en profiter. Mais que dit l'islam à ce sujet? Comment le musulman doit réagir en voyant d'aussi belles choses à observer? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Fussilat, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ces aurores boréales, qui d'habitude sont visibles à des endroits beaucoup moins accessibles, nous donnent une occasion de réfléchir et de méditer. En sachant que tout ce que nous voyons, touchons ou entendons, ont absolument tous été créés, le simple fait qu'elles soient observables à des endroits différents de d'habitude sont dues à des raisons scientifiques parfaitement programmées. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Luqman, خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Une personne qui renie l'adoration d'Allah part du principe que toutes ces choses miraculeuses qui nous entourent sont toutes dues au hasard, qu'elles sont toutes arrivées comme par magie et que tout se serait agencé seul sans l'intervention de qui que ce soit. Mais la raison humaine, à un moment ou à un autre, que ce soit en pleine pauvreté ou durant un immense succès, finit par suggérer au fils d'Adam que toutes ces choses visibles ou invisibles que nous touchons ou qui nous ont été soumises, que ce soit nos défenses immunitaires qui se mettent en marche sans qu'on l'ait demandé, la nuit et le jour qui s'alternent sans qu'aucun des deux ne soit devancé, la chaîne alimentaire avec autant d'animaux qui nous sont de différentes utilités et encore bien d'autres bienfaits qu'on ne saurait dénombrer.